Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous prions pour que la prière du Christ à son Père puisse être exaucée. Qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un, pour que le monde croie. L'unité est un don de Dieu. L'unité de l'Église, l'unité des chrétiens est un don du Seigneur auquel il nous faut sans cesse travailler. Nous avons les uns et les autres à être serviteurs de cette unité par la charité mutuelle et la charité pour le monde, par le souci du pauvre, par le souci de l'autre, en nous portant les uns les autres dans ce souci que tout homme puisse découvrir qu'il est fils, qu'il est fille de Dieu, parce que Dieu le Père a posé son regard sur lui. Au début de cette Eucharistie, demandons pardon au Seigneur pour tout ce qui, dans notre vie, peut être une source de division, une source de rupture, et demandons au Seigneur qu'il nous fasse la grâce d'être des serviteurs de l'unité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo.
prions. Dieu qui aime les hommes, nous t'en supplions, tiens-nous sous la puissance de ton esprit. En répondant mieux à notre vocation, nous rendrons témoignage à la vérité et nous pourrons rechercher avec confiance l'unité des croyants dans la paix de ton Christ, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens.
Frère, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu.
Voilà que Jonas entendit la parole du Seigneur. Jonas, Jonas, va à Ninive, cette grande ville païenne, et va leur dire qu'il faut qu'ils se convertissent. Et Jonas eut peur. Jonas tenta de fuir. Il monta sur un bateau. Il y eut la tempête. Il passa par-dessus bord. Vous vous en rappelez, il y a l'histoire du ventre de la baleine. Et voilà que Jonas est à nouveau appelé. Va à Ninive. La foi, c'est une annonce. Nous ne recevons pas le Christ pour nous, nous le recevons pour l'annoncer, parce que c'est une bonne nouvelle qui nous tient à cœur. Et voilà que, arrivé à Ninive, il commence tout juste à annoncer la bonne nouvelle. Il faut qu'ils se convertissent. Et voilà que, à peine avait-il commencé, que Ninive se convertit. Alors ça, c'est vraiment une action de Dieu. Dieu a changé les cœurs et voilà qu'ils accueillent la parole que Jonas annonce au nom de Dieu. Mais alors, est-ce que tout le monde est converti dans Ninive ? Dans Ninive peut-être, mais dans le livre de Jonas, il y en a un qui a plus de difficultés à se convertir. C'est Jonas lui-même. Jonas a bien du mal, parce que Jonas, devant l'action de Dieu, se dit « Mais, et moi alors ?» Et il part boudé dans son coin. Et puis, vous rappelez, il s'endort, il y a ce ricin qui pousse pour le que Dieu fait pousser pour le protéger, et puis Dieu pique le ricin meurt, Jonas se révolte à nouveau. Ah, que c'est long la conversion! Vous ne trouvez pas parfois que c'est long de se convertir, c'est long de croire. Et cependant, la conversion, elle est devant nous, elle est toujours un appel. Et après l'arrestation de Jean-Baptiste, alors que Jésus part vers la Galilée, il traverse rapidement la Samarie, il arrive en Galilée, et là, il annonce « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous, c'est-à-dire croyez à l'Évangile. » C'est pas « convertissez-vous » et puis après « croyez à l'Évangile », c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le « convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». C'est « convertissez-vous, c'est-à-dire croyez à l'Évangile, croyez à la bonne nouvelle ». Croire à la bonne nouvelle, c'est justement vivre la conversion, c'est justement vivre cette transformation du cœur. Mais vous vous rappelez deux éléments de l'Évangile, de l'extrait d'Évangile que nous avons entendu dimanche dernier. Jean-Baptiste posa son regard sur Jésus. Pour connaître la bonne nouvelle, pour croire à l'Évangile, il faut entrer dans le regard de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste posait son regard sur Jésus et il désigna Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Le regard de Jean-Baptiste sur Jésus, c'est ce qui nous donne alors de pouvoir croire à cette bonne nouvelle qui nous est annoncée. Et puis après, Jésus pose une question. Que cherchez-vous pour comprendre cette bonne nouvelle, pour croire à cette bonne nouvelle? Que cherchez-vous? Que voulez-vous? Quelle est pour vous l'attente de votre vie? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous cherchez? Quel est le creux au fond de vous-même qui est le moteur de votre espérance, le moteur de votre attente, le moteur de ce que vous cherchez à construire? Que cherchez-vous? Et Jésus continue, vous rappelez, il dit « Venez et vous verrez ». Qu'avaient donc vu ceux qui avaient entendu la parole de Jean-Baptiste « Voici l'agneau de Dieu »
qu'est-ce qu'ils avaient vu pour que lorsque Jésus, passant au bord de la mer de Galilée, voit Simon, André, Jacques et Jean, qu'est-ce qu'ils avaient vu pour que aussitôt ils quittent leur filet, ils quittent Zébédée, leur père, pour suivre Jésus? Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous vu, berger, dans la crèche? Qu'avez-vous vu, vous, les mages, lorsque vous apportiez l'or, l'encens et la myrrhe? Qu'avez-vous vu lorsque Jean-Baptiste a désigné Jésus, « Voici l'agneau de Dieu, venez et vous verrez. » Pour voir, il faut chercher, il faut être en attente, il faut se demander « Quel est le salut que je désire ? Quelle est la joie à laquelle j'aspire ? Quel est au creuset de notre vie ce désir que Dieu a mis et qui fait que nous avons qu'une envie, c'est de nous mettre en route ? Mais il y a peut-être, pour se convertir, c'est-à-dire croire à la bonne nouvelle, un regard qu'il nous faut changer. Un regard qu'il nous faut changer pour justement voir cette bonne nouvelle et croire à cette bonne nouvelle. Quel est ce regard qu'il faut changer ? Ou peut-être que pour croire à cette bonne nouvelle, pour la voir, il faut demander à Dieu d'être capable de le voir, voir Dieu tout simplement. Voir Dieu, non pas une fois, mais chaque jour. Voir Dieu chaque jour. Je ne sais pas comment vous priez, mais ce que je sais, c'est que dans la prière du soir, si simplement vous prenez 2 minutes pour prier, peut-être 3 si vous avez beaucoup de temps, mais disons 2 minutes, et durant ces 2 minutes, vous repassez votre journée et vous essayez, et vous réussissez à voir 2 actions de Dieu concrètes dans votre vie. C'est simple, mais parce que Dieu, ce n'est pas une belle idée que je vous annonce, ce n'est pas un beau concept de l'amour, une belle philosophie auquel vous pourriez adhérer ou ne pas adhérer. C'est quelqu'un qui est vivant aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui est ressuscité. Et donc il faut bien, si, puisqu'il est vivant, ressuscité et agissant, nous le voyons agir, si nous savons voir l'invisible. Parce que pour voir Dieu, il faut que notre cœur se soit ouvert pour voir l'invisible. C'est quand même plus facile de voir l'invisible que de voir le visible. L'invisible, c'est... Regardez le lien de Jésus qui pose son regard sur André, sur Simon, sur Jacques et sur Jean. Ce regard d'amitié, ce contenu d'amour, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Regardez ce regard qui aime et qui est posé sur vous. Regardez celui qui dit « Je vous appelle mes amis » dans l'Évangile, il s'appelle Jésus. Regardez ce lien. Si vous savez reconnaître Jésus à l'amitié que vous vivez les uns avec les autres, si vous savez reconnaître Jésus dans les gestes d'amour, dans la pauvreté de nos gestes d'amour, dans la simplicité et dans la limite de nos gestes d'amour, et que vous savez reconnaître que c'est Dieu qui aime. Si, lorsque vous êtes bouleversé par la détresse ou par la joie, par la souffrance ou par l'attente, si lorsque vous êtes bouleversé, vous êtes capable de reconnaître la Vierge Marie, bouleversée par la venue de l'ange Gabriel, si vous acceptez que votre cœur ne puisse pas être de pierre, mais accepte parfois de s'attendrir, d'accepter parfois la gratuité du temps et non pas la course après le temps. La course après le temps nous fait nous demander pourquoi Dieu a créé le temps, mais la gratuité du temps nous fait recueillir le temps comme celui de la grâce. Si vous savez cela, si votre cœur s'ouvre à voir l'invisible, alors vous verrez Dieu. Alors simplement, convertissez-vous, venez et vous verrez. Voyez
l'invisible, voyez l'amour, voyez l'amitié, voyez le bouleversement du cœur, voyez un Dieu qui vient toucher votre cœur parce que vous êtes touché par le prochain, que vous êtes touché par l'autre, parce que quelque chose vient comme transformer votre cœur. Alors la conversion ne sera pas l'effort de votre volonté, parce que vous serez plein de bonne volonté, évidemment, mais ça sera convertissez-vous, c'est-à-dire croyez à la bonne nouvelle que vous voyez, un Dieu qui vous aime et qui agit pour vous et pour le monde, un Dieu qui vous aime et qui vous donne d'aimer votre prochain, un Dieu qui vous pardonne et vous redonne la liberté. Alors, lorsque Jésus se mettra à passer sur le bord de la mer de Galilée ou sur le bord de tel ou tel quai de métro, on ne sait jamais, eh bien alors, lorsqu'il vous appellera Simon, André, Jacques, Jean ou d'autres prénoms, maintenant il y en a un peu plus, alors aussitôt vous oserez le suivre, parce qu'aussitôt vous comprendrez ce que vous avez vu, voilà que le Seigneur vous appelle à le porter au monde. Dans l'annonce, dans la mission, il vous appelle à les porter au monde pour tirer l'homme de l'emprise de la mort, du mal, de la souffrance, de la violence, pour tirer l'homme de cette puissance des ténèbres, pour l'amener vers la lumière de l'amour et de la vie, la lumière du Seigneur lui-même. Alors, il vous appellera, non pas simplement pour vous-même, mais il vous appellera parce que vous verrez Dieu à agir comme Dieu. Voilà l'invitation d'aujourd'hui dans l'Évangile. C'est simple, convertissez-vous, c'est-à-dire croyez à l'Évangile, croyez à la bonne nouvelle, osez voir l'action de Dieu au quotidien de l'existence pour devenir comme Dieu, pour agir comme lui, pour être artisan, serviteur du salut, de l'amour et de la liberté de nos frères. Credo in nonum Deo, Padre omnipotente, Pater caelum, visibilium eum, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum,
vous invite à vous asseoir. Comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, la quête aujourd'hui est faite pour les séminaires, séminaires de Paris, de la région. Et donc, nous avons la chance à Paris d'avoir une centaine de séminaristes. Et comme vous imaginez bien, les séminaristes, ils mangent, ils dorment, ils étudient, ils prient. Et tout ça fait qu'il faut qu'on s'en occupe. C'est l'Église qui prend en charge, naturellement, la vie des séminaristes. Et quand je dis c'est l'Église, vous avez tout compris. C'est vous, nous, tous. Et donc, on a besoin de votre aide financière. Donc, tout ce que vous allez donner en plus de votre offrande habituelle sera naturellement reversé à cette œuvre si importante pour l'avenir de notre Église. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de Jésus, ton Fils bien-aimé, tu t'es acquis, Père très bon, un peuple de fils. À nous qui sommes ton Église en ce temps, accorde l'unité et la paix par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel, son frère Jérôme qui préside cette assemblée, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis les uns aux autres, serviteurs de l'unité entre tous, unis à tous ceux qui nous ont quittés et que nous portons particulièrement dans notre prière, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, dans la charité du Christ, thank you.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Notez simplement que dimanche prochain, on continuera le cycle sur la petite Thérèse. Je sais que pour celles et ceux qui regardent par KTO, j'ai été obligé de m'effacer parce que c'est le pape passait. Donc, c'est normal que je laisse le pape François et puis le recteur de la cathédrale s'efface. Mais grâce quand même à KTO, c'est dans la boîte et donc ça doit passer 3 fois dans la semaine. Donc, ne désespérez pas, vous aurez la prière chez la petite Thérèse. Mais la semaine prochaine, le pape aura fini son voyage et donc vous profiterez de l'amour miséricordieux. Rendons grâce, et c'est Monseigneur Beau donc qui va nous combler des grâces du Seigneur, qui va naturellement inonder à la fois tous les spectateurs de KTO et puis tous les auditeurs de Radio Notre-Dame. Nous rendons grâce et nous nous levons. Unissons nos prières. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, qu'elle fasse l'unité dans ton Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous. Alma.